Pays B vous emmène au Solidize. Plus de 200 000 festivaliers et bénévoles sont attendus sur l'événement et plus d'une centaine d'artistes. Suivez-la. Solidays, c'est plus de 200 000 spectateurs cette année, des festivaliers qui font parfois plus de 1000 km pour assister au concert dans une ambiance survoltée. Ambiance au Solidays. Ambiance toujours au maximum. Hein. Pourquoi venir au Solidays? Parce qu'il y a des concerts. La fête et on se déguise. Pour prouver que Jésus valide cet événement. Et quel artiste vous préférez? Franchement, moi c'était Deluxe, j'ai bien kiffé, j'ai dansé comme un malade, à la fin j'étais mort. M83 surtout, M83. Ah oui, ah, je te mets ma capette si tu veux. C'est la fête, c'est la musique, c'est. Je sais pas comment le dire en fait. C'est... On soit tous ensemble et genre on danse tous ensemble et c'est une espèce d'harmonie entre tout le monde. C'est la TV de Sciences Po. Exactement, c'est la télé de Sciences Po. Donc, bien que Sciences Po se passionne pour la musique et pour un rassemblement qui n'est pas que musical. Parce que comme vous le savez, c'est autour de la lutte contre le sida, c'est aussi un événement qui est tourné vers la solidarité, en particulier avec les pays d'Afrique. Donc bravo d'être là. Pendant 3 jours, le mot d'ordre, solidarité. Pour permettre au festival de voir le jour, une équipe de plus de 1000 bénévoles, toutes générations confondues, œuvre pour l'organisation, avec des profils plutôt atypiques. Quoi exactement ici? Alors nous, on est bénévoles pauvreté, c'est-à-dire qu'on pue tout le temps, mais on est hyper sympa. Hello, so I'm Sushovan and I'm from India. I've been living in France, in Marseille, for the last 2 years and And it's my second year as a volunteer here in Solidays, and I really love it. J'ai fait la première édition et la troisième en tant que festivalier. Et c'est l'ambiance de ces deux éditions qui m'a donné envie de devenir bénévole. Ah, c'est pour l'ambiance, c'est sympa, les gens sont sympas, et puis ouais, c'est cool, ça fait du bien. Et grâce à nous, le parterre sera magnifique, sans miettes, et la planète sera sauvée. Bravo, bravo. Et on est très fatigué aussi. On est très fatigué, ça fait super mal aux jambes. De la musique à Solidays, mais pas seulement, le fil rouge du festival reste évidemment le sida. De nombreuses animations et expositions sont présentées. C'est aussi le lieu des découvertes et des sensations fortes. Nos cobayes ont tout testé pour vous, c'est parti. Avec Claire Lestrade, et là je vais faire Salon Disco pour tester les casques en mode... voilà. Ici au Solidays, on a plein de types de musique, mais ici c'est un espace un peu particulier, c'est l'espace Silent Disco. Alors voilà, c'est une boîte à ciel ouvert, donc tout le monde est en train de danser absolument dans le silence. Mais par contre, si on écoute dans le casque... Ça a l'air sympa. Sciences Po TV a testé pour vous le saut à l'élastique et ce gratuitement. On prend le risque, suivez-nous. Ça va pour l'instant, c'est bon. Ah non, moi je tremble. Moi je tremble. Mais bon, on va le faire quand même. Vous envisagez, là, vous avez pas un peu peur de sauter à des 1 seconde du vide, des 10 mètres qui vous séparent du sol? Ah si. Ah si, là, je serais une grosse star, là. Je serais... On verra là. Ok, donc ça, c'est l'expo du patchwork des noms. Ok. Les patchworks, ce sont des... C'est 9 carrés, 9 rectangles. Qui font la taille d'une tombe en fait, 90 cm sur 1m80, qui sont réalisés par des proches de victimes du sida, proches, famille, amis, beaucoup plus souvent les amis, en l'honneur, en la mémoire de ces personnes. Et c'est la première année que je suis dans cette équipe, chef de cette équipe, et nous en fait, bah, on est là pour discuter quoi. On explique aux gens, on discute, on les écoute, on rigole et on donne plein d'amour. Des bénévoles au service de la cause, les artistes eux aussi se sont mobilisés.
j'aime beaucoup ce que fait cette association, la méthode. C'est-à-dire l'idée de parler de choses qui sont assez dramatiques et graves et sinistres même, en parlant d'une manière plutôt légère. Je pense que c'est très très chouette que ce festival ait pris cette dimension-là, qui est devenue peut-être un des plus gros festivals qui existent ici en France. Et je pense que c'est génial que ce festival défende cette cause-là et que ce soit pas juste un festival pour la musique, mais pour une cause particulière. C'est un fléau qu'on doit éradiquer. Donc si on peut le faire, si on peut mettre notre petit grain de sable en faisant de la musique et des sept causes comme ça, c'est tout ce qu'on peut faire, nous, les artistes. Il y a quelque chose de tout à fait unique et particulier ici, de profondément bienveillant. Les gens écoutent ils écoutent la musique, mais ils écoutent aussi ce qui se dit. Et j'ai l'impression que tout ça est dans une ambiance généreuse, ouverte, très très réconfortante. Voilà, Soliday, c'est déjà terminé. Donc on se quitte sur un son d'Ibrahim Malouf. Pour venir en aide à Solidarité Sida, vous avez les coordonnées en bas de l'écran. Voilà, donc Artifice est reparti. On compte sur vous pour cette année. Allez, à très vite.